Guérin, bonjour. Ma première question serait, pourquoi ce film sur le développement relationnel à la crèche? Alors déjà, pourquoi le développement relationnel? On a longtemps pensé que la relation, ça ne s'apprenait pas. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que la relation, ça s'apprend et qu'on peut développer ses compétences relationnelles. La relation à soi, savoir se connaître de l'intérieur, la relation à l'autre, avoir de l'empathie, être capable de faire de la place à l'autre, de respecter des règles, de gérer la frustration, et la relation au monde d'une manière générale. Donc c'est important de donner des pistes aux adultes pour voir comment, chez eux-mêmes et chez l'enfant, développer ses compétences relationnelles. Alors maintenant, pourquoi la crèche? Parce que ces compétences peuvent se développer extrêmement tôt, et que donc, dès l'âge de la naissance et dans les premières années de la vie, la manière dont l'entourage va se comporter avec l'enfant, les parents, les professionnels, va jouer énormément dans cette capacité à développer ses aptitudes relationnelles. Comment peut-on développer véritablement la confiance chez l'enfant? Alors, pour développer la confiance de l'enfant en lui-même, ça va passer principalement par la relation que l'entourage a avec l'enfant. Et donc, le regard que porte l'adulte sur l'enfant, l'attitude intérieure qu'il a, les mots qu'il a, vont jouer sur cette capacité à développer cette confiance en soi. Donc on peut le faire dès que l'enfant est très petit, la manière dont on va le prendre dans les bras, la manière dont on va jouer avec lui, donc toute cette interaction très physique, la manière dont on va le toucher, va indiquer à l'enfant de façon très physique si on le respecte, si on respecte sa bulle et si on l'aime en fait. Et tout cet amour qu'on va lui porter, tout ce respect qu'on va lui porter, va lui permettre de développer son propre respect pour lui-même. Donc, jouer avec, sentir si l'enfant a ou non envie qu'on soit proche, qu'on soit loin, s'il a envie de s'arrêter de jouer ou non, va l'aider à se développer dans son autonomie, l'encourager quand il essaye de faire quelque chose, quand il rencontre des difficultés pour s'habiller, quand il a peur, accueillir ce qu'il ressent, l'accompagner, chercher le bon endroit, la bonne distance à lui, pour qu'il puisse être avec nous comme présence rassurante et en même temps oser aller vivre des choses qui ne sont pas forcément faciles. Donc, dans le développement relationnel, un des points importants sur lequel on doit porter son attention, c'est la confiance en soi. C'est vraiment aider l'enfant à développer la confiance en lui, la confiance dans l'autre, la confiance dans le monde. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour que l'enfant soit à même d'oser grandir, d'oser apprendre, d'oser prendre des risques, d'oser aller vers l'autre alors qu'il est différent. Donc c'est vraiment l'axe, le premier axe qu'on va chercher à développer dans les compétences relationnelles, c'est cette capacité à se connaître de l'intérieur, à s'aimer, à avoir une bonne estime de soi-même pour pouvoir entrer en relation de façon ouverte avec le monde et avec les autres. Attends. Non, mais laisse-la. Ah oui, vas-y. Ça y est, tu mets là. Si tu mets, tu la mets là.
mets là. Ton pied, tu le descends en bas. Tu le descends et tu le mets là. Vas-y, descends ton doigt. Tu le mets là. Tu risques rien. Alors, remets ton pied là, si t'as besoin. Voilà, cette main, tu la descends. Descends cette main. Pour descendre, il faut enlever sa main. Donc, aider l'enfant à développer sa confiance en soi, c'est essayer de trouver un juste équilibre entre
faire à la place de l'enfant qui ne lui permet pas de faire l'expérience, de grandir et d'apprendre, et d'un autre côté, le laisser prendre des risques trop importants qui pourraient lui faire penser que la vie est vraiment dangereuse. Donc pour l'adulte, c'est vraiment chercher à quelle place il peut se mettre, à quelle distance, en fonction de ce qu'il peut évaluer des capacités et de l'intérêt de l'enfant. Et c'est comme ça que petit à petit, l'enfant va faire des expériences qui vont lui faire vraiment ressentir dans son corps qu'il a des compétences, il a des ressources à l'intérieur de lui. Il sait faire certaines choses ou il ne sait pas les faire. Et de lui-même, il va pouvoir développer en fait sa boussole intérieure qui va lui faire prendre des risques mesurés dans la vie sans trop se mettre en danger, mais en prenant quand même des risques. Donc en fait, l'enfant va faire des expériences de plus en plus importantes avec un monde qui va s'agrandir et c'est comme ça qu'il va développer sa boussole intérieure. Alors bien sûr, on ne peut pas lui éviter toutes les épreuves et c'est tant mieux et on va le voir après dans les scènes qu'on va voir, on ne va pas lui éviter toutes les frustrations. Il va vivre des expériences qui vont le rendre fier, qui vont le rendre heureux, il va vivre des expériences qui vont le rendre triste, qui vont le mettre en colère, qui vont lui faire peur. Et ce qui peut aider l'enfant à prendre confiance en lui et à mieux se connaître de l'intérieur, c'est des adultes qui soient à même d'être présents et d'accompagner toutes ces expériences en mettant des mots sur ce que vit l'enfant et surtout en accueillant ce qu'il ressent, ce qu'il pense, son imaginaire, en l'accueillant comme étant ce que vit l'enfant. Et c'est pas pour autant qu'on va le laisser agir et faire n'importe quoi, mais on peut accueillir sa colère et lui dire « Tu es en colère, tu n'arrives pas là à monter tout seul ou tu as peur. » Alors, l'être humain est un être profondément social et relationnel. L'être humain vit en société, vit en groupe. Alors, dans la première partie, la confiance en soi, on voit d'ailleurs que la confiance en soi se développe grâce au regard et à la bienveillance de l'entourage dans lequel vit l'enfant. Dans cette deuxième partie, la coopération, on va voir que dès qu'il grandit, très tôt, l'enfant va entrer en relation, non seulement avec son entourage, ses parents, les adultes, etc., mais avec les autres bébés, avec ses congénères, en fait, comme des petits animaux, de façon au départ très physique, puisqu'il ne parle pas encore. Et cette relation avec l'autre, c'est aussi ce qui va lui permettre de se développer, de prendre confiance dans le monde, dans les autres. Et donc cette rencontre, elle est d'abord très enrichissante, de par la ressemblance, en quoi l'autre et moi nous sommes des êtres humains tous les deux, et de par la différence, en quoi l'autre et moi, nous ne ressemblons pas forcément, mais l'autre a des choses à m'apprendre et j'ai des choses à lui apprendre. Et c'est pour ça que cette notion de coopération, elle est fondamentale pour donner confiance dans la relation à l'autre. Et quelle forme peut prendre cette coopération ? Eh bien en fait, la coopération peut prendre différentes formes et de façon très informelle. Il suffit de mettre dans une même pièce deux bébés, deux enfants, et déjà, le fait même qu'on se regarde, qu'on se touche, c'est déjà une forme de coopération. Alors après, on peut donner quelque chose à l'autre, recevoir quelque chose de l'autre, on peut jouer ensemble, on peut imiter ce que fait l'autre, on peut imiter ce que font les adultes. Donc il y a une forme de mimétisme aussi, qui sont toutes des manières d'interagir avec l'autre. Thank you.
n'est pas jolie comme ça. C'est pas jolie comme ça. Arthur me demande de faire pipi, Valérie n'est pas allée dans la salle. Comment nous, adultes, pouvons-nous encourager cette coopération? Alors, la première chose, c'est donner des occasions aux enfants d'être ensemble, que ce soit dans la fratrie, à la maison, ou que ce soit à la crèche. Ensuite, c'est mettre en place les conditions qui favorisent la coopération. Donc, ça peut être au travers de jeux, de livres, tous les matériaux qui vont inviter à faire avec l'autre. Après, l'adulte, dans son attitude, peut aussi créer du lien entre les enfants, démarrer un jeu avec eux, leur expliquer des règles, favoriser, encourager, de par sa présence et de par ses paroles, le lien entre les enfants. Et puis enfin, la dernière chose qui est importante pour que cette coopération elle puisse s'installer et perdurer un peu dans le temps, c'est de rester présent pour aider les enfants à gérer les conflits qui peuvent émerger de la rencontre. Parce que la rencontre peut aller vers la coopération, vers l'amour, vers l'échange, vers l'enrichissement, mais comme on va le voir dans la partie suivante, la rencontre, elle est aussi susceptible d'amener du conflit, du désaccord, de la tension, et donc éventuellement de la violence. Finalement, est-ce vraiment utile d'encourager les rencontres alors qu'elles se terminent souvent par des conflits? Alors, c'est vrai que souvent, on préfère, les adultes préfèrent que les enfants soient séparés parce que ça évite les conflits. Mais en fait, on évite aussi l'apprentissage de la rencontre. Or, ce qui est important de voir, c'est que la relation à l'autre, c'est quelque chose qui s'expérimente et qui s'apprend. Donc, on ne peut pas faire l'économie de la rencontre et du conflit. Quand un enfant rencontre un autre enfant, a priori, il ne sait pas au départ s'il va recevoir de l'amour ou s'il va recevoir une gifle. Donc, c'est à lui d'apprendre, dans sa manière d'entrer en relation avec l'autre, de le regarder, de l'écouter, de s'écouter lui-même, comment se protéger et en même temps accueillir l'autre. Et ça, ça va se faire par la rencontre et aussi également par le conflit. Mais le conflit en soi n'est pas un problème. Ce qui va être fondamental, c'est comment on les aide à gérer ces conflits. Comment on les aide à gérer la frustration des rencontres qui se passent difficilement.
Donc dans le développement relationnel, il y a déjà ce pôle de la confiance en soi, développer la confiance en soi chez l'enfant. Il y a le pôle de la rencontre avec l'autre qui est une rencontre enrichissante. Et puis il y a un troisième pôle qui est la frustration. Toute rencontre avec le monde, toute incarnation, le fait de vivre, va faire qu'on va rencontrer à un certain moment donné des limites à notre territoire, des limites à notre pouvoir, et qu'on va se retrouver frustré. Donc c'est fondamental d'aider l'enfant à développer cette capacité à gérer la frustration. Donc dans les premières scènes qu'on va voir, l'adulte n'intervient pas. En fait, l'enfant, en interaction avec le monde, avec une barrière, ou avec un copain, ou avec un groupe, va se retrouver ne pas pouvoir passer, ou va devoir arrêter de frapper, ou va devoir ne pas être accepté dans un jeu. Et il y a cette acceptation que tout n'est pas possible. Quand pensez-vous qu'il est intéressant pour l'adulte d'aller intervenir dans ce type de situation ? Eh bien, en fait, c'est important d'intervenir dans ce type de situation quand il y a danger physique ou psychique pour un des enfants. Et c'est ça la difficulté, c'est d'évaluer si les enfants en présence sont à même de gérer, par exemple, un conflit qu'ils ont entre eux, ou sont à même d'accepter la séparation, la frustration à la hauteur de leur âge, de leur expérience et de leurs compétences. Sur la dernière scène que l'on vient de voir, on observe que la fille est repoussée, en fait, est rejetée du groupe. Vous ne pensez pas que c'est violent pour elle, ce qu'elle subit ? En fait, c'est ce qu'elle vit là, c'est l'expérience de la frustration. À un moment donné, j'aimerais être acceptée par ce groupe, le groupe ne veut pas de moi. Donc c'est difficile, effectivement, d'évaluer si c'est trop difficile, trop violent pour l'enfant ou non. Si ça se répète ou si l'enfant demande de l'aide et elle a vraiment d'en souffrir, c'est important que l'adulte puisse entendre cette souffrance, mettre des mots dessus et lui proposer de l'aide, soit en allant faire une médiation entre elle et ce groupe, soit en allant lui proposer autre chose à faire. Mais si l'enfant est capable de le gérer par elle-même, ça fait partie de l'expérience de la vie, de prendre conscience que parfois on voudrait quelque chose et l'autre ne veut pas.
Dans les scènes qu'on va voir, c'est l'adulte, cette fois-ci, qui va frustrer l'enfant en appliquant une règle, qui est une règle qui est là pour protéger les enfants du groupe. Et donc, l'enfant, bah, quand on le frustre, très souvent, il pleure. Et c'est là où c'est important, si la règle nous semble juste, de tenir le non. Alors, tenir le non, ça ne veut pas dire devenir brutal, violent, humilier l'enfant. Ça veut dire juste dire non, et même si l'enfant pleure, le laisser pleurer et rester en présence avec lui. Donc, rester présent, éventuellement avoir de l'empathie, c'est-à-dire être capable de lui dire « je sais que c'est difficile ce que je te demande, mais tu es capable de le faire et c'est important que la règle soit respectée. » Et puis, comme on le verra dans la troisième scène, eh bien, assez vite, dans ces cas-là, l'enfant, quelques minutes après, grâce à une diversion, va repartir, en fait, dans la vie, jouer à autre chose. Qu'est-ce que tu as ? Tu voudrais y aller ? Ah, ouais. Tu n'es pas content. C'est parce que... Papa! Oui, c'est pas parce que tu vas crier très fort que je vais te donner des ordres. Non. Non, non, ça je suis pas d'accord. Moi je suis en train de t'expliquer que Emmanuel il était à côté. Et toi, tu arrives et tu le prends. On attend que le copain il ait fini de jouer. D'accord ? Allez, viens me voir. Viens me voir. On va laisser le bateau à Emmanuel. Et dès qu'il a fini, on pourra retourner. Oui, je sais que tu n'es pas content. Même Sarah, ça lui plaît. Allez, encore. Et dans la première scène, est-ce que c'est pas violent d'aller dire non comme ça à l'enfant et le laisser pleurer autant ? On a envie d'aller le consoler. Oui, alors c'est vrai qu'en tant que parent ou professionnel, quand on voit un enfant pleurer, qui est triste parce qu'on se sépare de lui, parce qu'il y a quelque chose qu'on lui refuse, ça nous touche et c'est très important que les parents puissent vivre ce qu'on appelle cette empathie, être touché par ce que vit l'autre. Et en même temps, quand on a le statut de parent ou de professionnel, ça va être aussi important de frustrer l'enfant. C'est-à-dire de lui faire accepter qu'il n'est pas le seul au monde, qu'il n'a pas tout pouvoir, qu'il n'est pas dans la toute-puissance, que les autres existent et qu'il y a des dangers pour lui, par exemple. Et donc, il y a des moments donnés, on va lui dire non. Ce qui va faire la différence entre une autorité éducative et une violence, c'est le pourquoi on dit non et le comment on dit non. Donc, il faut que nos noms s'appuient sur des règles justes et qui évoluent en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction du contexte, et également que la manière dont on dit non soit une manière puissante, ferme, présente, mais qui ne parte ni dans la colère, ni dans le sadisme. Comment développer chez l'enfant l'attention à l'autre ? Alors, l'attention à l'autre, elle vient en parallèle, en fait, avec la capacité à prendre soin de soi. Voilà, en fait, il n'y a pas d'opposition finalement entre égoïsme et altruisme, mais il y a une dynamique à installer, un équilibre à trouver entre prendre soin de soi et prendre soin de l'autre. Et ça ne va pas se développer de la même manière chez chacun d'entre nous. Chez certains enfants, la capacité à faire attention à l'autre, à donner, à faire plaisir, va donner l'impression d'être complètement naturelle, il n'y aura pas besoin de beaucoup pousser. À l'inverse, souvent d'ailleurs, on leur demandera plutôt de faire attention à eux et de s'assurer qu'ils ne se sacrifient pas pour les autres. Et à l'inverse, pour d'autres, ils vont être très centrés sur eux-mêmes, très égocentriques, et il va y avoir besoin de les aider à développer cette capacité de faire attention à l'autre. Alors, la première chose qui les aide, c'est la loi, c'est clair. Quand il y a des règles qui sont posées, c'est degré ou de force, on te demande de faire attention à l'autre, et on est garant de ça. Et puis, comme on va le voir dans la dernière partie de ce film, on peut mettre en place des activités qui encouragent, développent les compétences en particulier qui permettent de faire plus attention aux autres. Taper à la crèche. Tu dis pardon. Attention, regardez. Attends.
Axel, Axel. Dans les conflits entre enfants, la première question c'est est-ce que j'interviens ou non, et quand j'interviens, comment j'interviens. Alors souvent quand on intervient dans les conflits entre enfants, on va juste essayer de trouver une solution et en finir au plus vite, parce qu'on aime rarement que les autres soient en conflit. En fait, et c'est ça peut-être le plus intéressant du travail du développement relationnel, c'est chaque conflit est une occasion d'apprentissage pour les enfants. Donc au-delà de trouver une solution, qui est juste un arbitrage, on peut pratiquer la médiation, c'est-à-dire prendre le temps vraiment de s'installer avec les enfants, de leur demander ce qui se passe, de savoir ce que chacun ressent et de les inviter à développer leur capacité à trouver des solutions. Comment se passe une médiation ? Alors certaines médiations se passent extrêmement vite, en une minute c'est réglé, et d'autres médiations vont prendre une dizaine de minutes où les enfants vont vraiment prendre le temps de chercher avec l'adulte une solution. Mais en tout cas, ce qui est commun à toutes les médiations, c'est la capacité de l'adulte à venir sans être contaminé par la colère et la violence des enfants, à venir amener du calme, du cadre et à poser les choses. Donc la première chose qui est importante, c'est qu'effectivement l'adulte soit capable de dire « Ok, on va s'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et il va accompagner les enfants dans ce processus. La première étape, elle est fondamentale, c'est d'entendre ce qui s'est passé pour chacun. Ce n'est pas forcément de savoir la vérité. Souvent on se dit, j'aurais dû être là au début de l'histoire. Non, même si on ne sait pas le début de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ah, voilà, vous avez un désaccord là-dessus. Et donc déjà, de faire entendre ça et de mettre des mots dessus va calmer les enfants. Et ensuite, deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que vous trouviez une solution qui aille à tous les deux? Alors si ce sont des enfants très jeunes, comme c'est le cas en crèche, on va les aider dans la recherche de solutions. Est-ce que ça vous va? Si, je vous propose deux. Et puis, on va les accompagner dans ce choix. Au fur et à mesure que les enfants grandissent et qu'ils développent cette capacité grâce, entre autres, à la médiation, ils vont d'eux-mêmes proposer des solutions, souvent au départ juste qui leur vont à eux, et puis au fur et à mesure qui leur vont à eux, mais qui vont également à l'autre. Même si tu es sur son passage. Regarde, il saute. Alors comment on fait? Est-ce qu'Adrien peut jouer avec et te le prêter après?
Est-ce que tu veux que je te sorte un autre jour? Eh bien, viens voir. Allez. Viens, Théo. Viens voir un autre jeu. Qu'est-ce qu'une médiation qui réussit? En fait, ce qui va nous aider à savoir si une médiation a réussi ou non, c'est dans quel état sortent les protagonistes du conflit. Si on sent qu'ils sont capables de se resserrer la main, de se faire un bisou, d'accepter la règle, du partage du vélo, si ça a recréé du lien en fait entre eux et que chacun ressort réouvert et bien dans ses baskets d'une certaine manière, alors on peut dire que la médiation est réussie. Parfois ça ne marche pas du premier coup, il va falloir plusieurs médiations. Mais avec les enfants de cet âge-là, de l'âge de la crèche, souvent il suffit de ce temps-là pour que l'un se sente entendu dans le fait qu'il a reçu une gifle ou qu'il n'a pas eu le vélo, et pour que l'autre accepte la règle ou de trouver une solution qui convienne à l'autre. Alors le loup, c'est vrai qu'on ne le fait pas rentrer dans la cabane. Mais peut-être que Axel, il voulait plus être le loup. D'ailleurs, tu vois, Lucie, après, ça y est, elle est rentrée. Est-ce que tu vas bien, Axel? Oui. Marie, Marie, regarde. Je crois qu'Axel trouve que tu es très, très près du berceau. Hein? Allez. On va la mettre. C'est le berceau. Non, non, je ne sais pas le lever, non, non. Nous, on la regarde seulement. Moi, il y a quelqu'un qui a fait caca. Attendez, les petits enfants, parce que là, je crois... Ah, oh, papa, papa, Adrien. Et voilà. Oh oui, oh là 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 là. Oh alors ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux là? Elle t'a giflé, du coup tu l'as giflé. Et vous êtes fâchés tous les deux. Hein? Oh là, Marie. Je crois qu'Adrien n'a pas aimé. Hein? Je crois qu'Adrien n'a pas aimé que tu le gifles. Elle est très fâchée, Marie, hein? Elle est très très fâchée, Marie. Tu voulais voir le bébé, Marie. Et tu arrivais pas à voir le bébé. Tu as giflé Marie aussi, hein. Elle t'a peut-être poussé, mais tu l'as giflé. Elle a de la peine, hein. Elle t'a poussé. Tu n'étais pas content qu'elle te pousse. Il fallait peut-être pas la gifler quand même, hein. Elle aussi, elle est très fâchée que tu l'aies giflée, tu vois. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas le voir, le bébé. Eh oui, elle t'a poussé, tu n'as pas apprécié. Et tu l'as giflée. Et du coup, vous êtes tristes tous les deux. Eh oui, eh ben, vous êtes tristes tous les deux. Que j'ai entendu taper, moi, quand même. Hein. Je l'ai entendu, moi, cette gifle qui tapait. Hein. On verra après. Je pense qu'elle a eu mal aussi, tu sais. Les enfants avaient très envie de voir ce qu'on venait de filmer et donc ça a été une occasion eh bien, de leur montrer ces images de conflits, de gifles, de pleurs, de médiation et de leur poser des questions sur ce que ressentent les enfants dans ce cas-là, est-ce que ça leur arrive, comment ça se vit, de manière à utiliser ce conflit comme un échange, un temps d'échange et d'apprentissage relationnel.
pourquoi elle est triste, elle est en colère. Tu veux voir aussi? Tiens, on va lui faire une petite place. Là, c'est Arthur. C'est Arthur, quoi? Hein? Ouais. T'es en train de jouer. Que se passe-t-il si un enfant refuse systématiquement toutes les solutions qui sont proposées dans la médiation? Alors effectivement, il peut arriver qu'un enfant reste dans sa position, ne veut absolument pas partager, ne veut pas trouver de solution qui aille à l'autre, soit parce qu'il est très en colère, soit parce qu'il estime que ça lui appartient, soit parce qu'il a besoin de temps. Donc il y a un moment donné où il faut, c'est important de trancher, sans dire, sans culpabiliser, mais dire voilà, ben là on n'arrive pas à trouver de solution, donc l'adulte va proposer une solution qui entre dans la règle, en fait, qui prend en compte les règles. Donc, par exemple, je vous propose de prendre 10 minutes, on en reparle dans 10 minutes. Ou je vous propose qu'il y ait d'abord toi, puis d'abord lui. Et puis, ça va amener de la frustration, mais on peut pas forcer l'enfant à s'ouvrir à la relation. Donc, il y a médiation ou il y a la loi. Voilà. La médiation, elle vient vraiment en s'apposer à la loi. Donc on ne peut pas forcer à la médiation, on peut juste la proposer. Donc il y a plein d'activités de tous les jours, quotidiennes avec les enfants qui nous permettent de les aider à développer leurs compétences relationnelles, manger, dormir, etc. Mais en plus de ces temps-là, on peut mettre en place, avec des enfants de très jeune âge, on peut mettre en place des activités spécifiques qui développe les compétences relationnelles. C'est ce qu'on va présenter dans la dernière partie de cette vidéo. Alors, les compétences relationnelles qu'on souhaite développer chez l'enfant, la première, c'est la connaissance de soi. Donc, en fait, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens dans mon corps, dans mes émotions? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je crois? C'est toute sa représentation du monde interne. Et en particulier, se familiariser avec ses propres émotions. J'ai peur, je suis triste, etc. Donc ça, c'est la connaissance de soi. La deuxième compétence qu'on va essayer de développer, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à se décentrer et à avoir de l'empathie pour l'autre, c'est-à-dire à le reconnaître comme un être humain comme moi-même. Puis la capacité à anticiper, qu'est-ce qui m'arrive si, voilà, si je fais tel choix, si je tape sur l'autre, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Et enfin, la dernière compétence qu'on cherche à développer, c'est l'imagination, la capacité à trouver des solutions qui, dans des médiations ou dans des conflits ou dans un travail de coopération, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir ensemble? Quelles sont les activités qu'on peut justement mettre en place pour développer ces compétences? Alors, il y a des activités qui existent déjà et il suffit simplement d'avoir une intention pédagogique qui concerne le développement relationnel. Si par exemple on prend la musique, comme ça va être montré tout à l'heure, la musique en soi peut être là juste pour développer l'oreille musicale, mais également pour développer l'écoute de l'autre, la capacité à faire un solo soi-même pendant que les autres font autre chose. Donc ça travaille énormément sur la relation à soi et à l'autre. Le théâtre, les émotions, raconter une histoire, c'est pas juste pour apprendre des nouveaux mots, c'est aussi comment se sent le héros, comment je peux m'identifier au héros. Et puis, un dernier type d'activité qui sont les jeux coopératifs, qui change effectivement des jeux basés sur la compétition, puisque dans les jeux coopératifs, on ne va pouvoir réussir que tous ensemble, tout le monde gagne ou tout le monde perd. Bonjour, bonjour, ça va, faut chanter avec moi, ça va très bien, Axel, Eva, ça va bien, bon, et un, coucou, deux, un, et 1, 2, 3, 4, et sort, escargot, coucou, coucou, t'es où? Sors la tête de ta maison. Lorsqu'on arrive, il va te mettre à cuire. Dans cette première activité qu'on vient de voir, ce qui est important, c'est effectivement ce rituel. Le rituel, c'est quelque chose qui sécurise, qui pose, qui redit chaque fois de la même manière.
Dans ce rituel, en plus, on rappelle le prénom de chaque enfant, donc on crée du lien. Et enfin, comme on le voit avec ce garçon qui met vraiment toute sa vitalité, on canalise cette vitalité en démarrant l'activité. Alors, ça c'est nous. Ah, allez, Axel, fais-nous le vent. Bravo! À Johan le vent. Tu veux le faire maintenant entre Johan. Non. Non, le vent, on a dit. Ouais. Ah, après, là, ah là là, et ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? La pluie, on fait la pluie. La pluie. On s'installe. La pluie. Dans ces scènes, on voit bien comment chaque enfant essaye de prendre une place en relation avec les autres. Donc ça développe l'attente, la capacité à faire de la place à l'autre, à prendre place, non pas contre l'autre, mais en relation avec les autres. Est-ce que tout le monde voit ? Oui. Oui ? Alors, comment s'appelle le livre qu'on va lire aujourd'hui ? Il s'appelle Mini-Lou. J'aime bien, il s'appelle Mini-Lou en vacances. Non, Yannis. D'accord ? Alors, mais les trois garçons, ils disent promis juré. Est-ce qu'ils ont l'air heureux, là ? Non, ils ne sont pas contents. Ils sont pas ? Ils sont pas contents. Et pourquoi ils sont pas contents ? Parce qu'ils doivent regarder leur petite sœur. Parce qu'ils doivent s'occuper de leur petite sœur. Et ça ne les amuse pas de s'occuper de leur petite sœur. Alors, on va le voir. Ah oui, il y a un lézard. Donc, eux, ils sont pas très très contents, puisque papa a dit qu'il faut s'occuper de la petite sœur. Pourquoi vous pensez qu'ils n'ont pas envie de s'occuper de la petite sœur ? Parce qu'ils n'ont pas envie du tout, du tout. Pas envie du tout, du tout, du tout. Ils préfèrent s'amuser tous les trois plutôt que de s'occuper de la petite sœur. Non. Ça va pas, elle. Vous pensez qu'elle se sent comment quand Mini-Lou écrit ? T'as une idée, ton mari ? Non, pas le loup, moi. Le loup, il veut pas que Raphaël joue avec. Et comment elle se sent, Raphaël, quand Lou, il dit « Non, on veut pas que tu joues avec nous ». Vous pensez qu'elle se sent comme ça? Arrive, vous, des fois, que quelqu'un vous dit « Je veux pas que tu joues avec moi ». Oui. Non, ça t'arrive pas? Et à toi, ça t'arrive, Axel? Mais ça t'arrive pas? On a la chance. Et quand, Axel, toi, ça t'est déjà arrivé qu'on te dise? Je deviens Anna, Lucien, Lucie, Anna. Toi, tu joues avec tout le monde? Oui. Ouais. Et si jamais quelqu'un vous dit « Je ne veux pas que tu joues avec nous », on se sent comment? Est-ce qu'on est heureux ou est-ce qu'on est triste ? Non, on est triste. On est triste, parce qu'on aime bien jouer avec tout le monde. Hein. C'est pas gay quand quelqu'un dit « Fais pas que tu joues avec moi ». Alors elle est un peu surprise. Et comment elle va réagir, vous pensez, Raphaël ? Elle va pleurer. Elle va pleurer ? Exactement. Et elle va pleurer, mais très très fort et en criant très fort. Je vais crier très fort. Comme ça. Crier comme ça, je suis malade. Et donc là, elle crie très très fort. Alors bien évidemment, le jeu avec le corps, le jeu avec les émotions, le théâtre va être un outil, une approche très très aidante pour aider les enfants à développer cette capacité à se mettre en colère, à avoir peur, à être triste, non pas en surjouant de l'extérieur, mais en vraiment ressentant de l'intérieur comment je me sens quand je fais ça et en mettant des mots dessus. Voilà, donc ce jeu avec l'adulte, c'est aussi bien jouer au loup et se faire peur en se courant après que s'amuser à trouver le chemin pour aller à la rencontre des émotions. Et alors, quand vous êtes content, quand vous avez reçu, je sais pas moi, vous aimez quoi à manger ? Qu'est-ce que des vous aimez ? Des carottes ! Des carottes ? Alors, quand vous recevez des carottes, comment vous faites ? Vous êtes content ? Oui. Et comment vous faites quand vous êtes content ? Alors, je vous apporte des carottes, attention ! Voilà plein de carottes! Voilà, elles sont t'es comme ça quand t'es content? Tu mets comme ça? Oui. Montrez-moi comment vous avez peur. Alors, je suis le loup. Oh, je suis le loup. Montrez-moi comment vous avez peur. Oh, je suis le loup. Oh, vous rigolez? Vous rigolez quand le loup? Ah, montre-moi. Oh là, t'as peur comme ça? Oh là, le loup va arriver. Il est où? Ah, c'est moi qui ai peur.
Hop, Martin, c'est toi qui va commencer. On va tirer le dé. C'est Martin qui va commencer. Il tire le dé. Je t'explique d'abord. Tu veux bien? Ouais. Oui, ça, c'est le corbeau. On tire le dé. Nous, il faut qu'on cueille tous les fruits dans nos petits paniers. Qu'est ton petit panier? Il faut qu'on cueille les fruits avant que le corbeau il les cueille. Ouais. Alors, on va mettre le corbeau là. On met comme ça. Alors, regarde, Marie. Ouais, tu le mets comme ça. Si on tombe sur le rouge, regarde, Marie. Si on tombe sur le rouge, on cueille les cerises. Si on tombe sur le jaune, on cueille les pommes. Marie, si on tombe sur le vert, on cueille les poires. Et puis si on tombe sur le bleu, on cueille les prunes. Et si on tombe sur le corbeau, Marie, elle prend ça et elle le met ici. D'accord, Marie? Tu veux bien commencer, Martin? Tu jettes le dé. Vas-y, jette-le là-dedans. Regarde. Très bien. Quelle couleur? Il a vert. Alors, tu prends une pomme et tu la mets dans ton panier. Ah. Et bien, regarde. Non. Qu'est-ce qui est vert? Regarde bien. Est-ce que ça c'est vert? Non, est-ce que ça c'est vert? Non. Est-ce que ça c'est vert? Oh, vas-y, prends-le. Allez, Marie. Ouais, vert, c'est lequel? Je te l'ai. Vas-y.